Je m'appelle Barbara Gomez, je suis enseignante-chercheuse, conseillère de Paris et je suis une des porte-paroles de Fabien Roussel pour l'élection présidentielle. Les tartines beurrées au beurre salé pour le coup. Les tartines chaudes au beurre salé, ça me fait lever le matin. Le besoin d'être utile, voilà, l'envie d'être utile, de faire quelque chose de ma vie quoi. Les jours heureux, c'est un monde avec plus de justice sociale. C'est une France où, où les travailleurs sont émancipés dans leur travail et à l'extérieur du travail. C'est un monde où on n'a pas besoin de se soucier des frais de santé quand on est malade. C'est un environnement où on peut exercer une activité professionnelle, mais aussi pouvoir avoir une vie amicale, familiale, associative, épanouie. Voilà, je pense que on a plus de justice sociale, plus de temps collectif. Alors évidemment, il y a un sujet qui me touche encore plus particulièrement, mais c'est parce que c'est lié à mon militantisme, mais aussi à mes recherches universitaires. C'est le sujet des travailleurs des plateformes, et je sais que Fabien Roussel est très attaché à défendre ces nouveaux prolétaires dont les conditions de travail risquent finalement de se généraliser à toute la population. Je sais que si Fabien Roussel, ou plutôt même quand Fabien Roussel sera président de la République, les plateformes numériques de travail qui surexploitent les travailleuses et les travailleurs parmi les plus précaires de France et du monde verront enfin leurs droits sociaux être respectés, avoir accès aux droits du travail, à une sécurité sociale forte et être respectés dans leur travail. Et ça, pour le coup, ça me rendrait extrêmement heureuse puisqu'on parle des jours heureux. Populaire.